la maison me paraît vide. Sans son désordre et sans sa voix, ça me semble encore impossible. Pourtant il y a 10 ans déjà, ma mère a rangé tous ses livres et ses outils de jardinier, tous ces objets qui me faisaient vivre, qui aussi vont s'ennuyer. Il ne parlait pas de la guerre, pourtant mon héros, c'était lui. J'étais si fière qu'il soit mon père, fière de m'appeler comme lui. Ses colères étaient des tempêtes lorsque j'avais désobéi. Et puis il pleurait en cachette parce que j'avais un premier prix. C'était plus que de la tendresse qu'il avait pour tous nos rosiers. Il peignait avec maladresse, c'était toujours moi qui posais. Je sais bien que je lui ressemble, que je suis têtue comme il l'était. J'ai ses yeux et ses côtés tendres, et j'aimais tout ce qu'il aimait. C'était mon ami et mon frère. Et mon père, et il me manque bien souvent.